Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Dragon Ball Xenoverse 2, chers amis. Nous allons reprendre l'histoire principale en espérant que Trunks ne fasse pas plus de conneries. Ce serait vraiment cool parce que franchement, ce personnage est complètement pété depuis le début, hein. Il est brisé de toutes parts, il ne sert strictement à rien, c'est terrible. Pauvre bonhomme. Enfin bon, on va reprendre l'histoire. Bon, je ne peux pas voler dans le coin, c'est cool, dommage. Hop, on y va. Je vais, moi, reprendre les lives ce week-end, normalement. Sans trop de problèmes. Oui, tu as raison de venir les voir. Je vais reprendre les lives et donc farmer un petit peu les quêtes que j'ai pu faire durant les deux précédents, les trois, enfin, les deux épisodes avant celui, avant le dernier. Encore ? On l'a déjà vu tout ça. Ah, il le re-regarde, mais il se fait vraiment du mal, hein. D'accord. C'est vrai qu'il aurait même pas dû le voir. Oh, heureusement que je rigole pas comme lui. Je le fais bien, hein. Alors, est-ce qu'on va avoir le droit de faire quelque chose ou est-ce qu'on va devoir rester spectateur de ce jeu vidéo? Ah bah, super cette mission. Ah, je me suis éclaté à la faire. Elle était intense, il y avait de l'action, on n'avait pas encore vu la ciné... On avait déjà vu la cinématique. N'oublie pas que notre travail est loin d'être fini. Veux-tu partir en mission temporelle? Partir pour la mission. Très bien, allons à la crypte du temps. Oui, très bien, allons à la crypte du temps. Peut-être plus comme ça, sa voix en VF, que je la ferai. Con. Il s'est passé tellement de choses devant mes yeux, là. Ah bah non, te transforme pas, tu serais le seul à te transformer, ce serait bête. Ah bah y'a de l'action dans la cinématique, là. Taioken. Boum. Ah bah vous êtes toujours aussi malin, vous deux. C'est cool. Laisse-moi te pomper. Il a pompé les deux d'un seul coup. Je crois qu'il a pompé les deux d'un seul coup. Voilà autre chose. J'ai chié sur l'histoire. En tout cas, il est toujours aussi stylé, ce méchant. J'adore cet arc. J'adore cet arc. C'est un méchant qui est vraiment génial, parce qu'à la différence, par exemple, de Boubou ou de Freezer... Il avait une éthique. Il voulait que ce soit par un championnat, il voulait que ce soit bien fait. D'accord. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas... Enfin bon. Mendoza no, omae-san chokurai itte sugata misete kitara dou ja?
Pourquoi ne pourrirais-tu pas l'histoire encore plus qu'elle ne l'est déjà à cause de toi d'ailleurs? C'est grave! Oh non! Mais non, ils sont liés par l'amour! Ils ne peuvent pas, c'est pas le temps qui va changer quoi que ce soit! Non! Le chauve et la blonde! Non! Oui, ben non, il va pas. Hein? C'est... Il a parlé de Trunks à Trunks ou de moi à Trunks ou... Ah, c'est à moi qui parle, même s'il regarde elle. Non, 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 il est nul dans tout. Quoi, ils sont en couple? Oh non. Oh non, 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 non. Me dites pas qu'ils sont en couple, il manquerait plus que ça. Oh merde. C'est la dèche, la dèche. Incertitude stratégique, seule. Bon. Ah, c'est bien les expressions faciales comme ça. J'adore. Bonjour. Ne fais pas attention, moi je vais me téléporter. Ah, me dis pas que t'as... Ah bah, il est balèze, hein, il... Tu touches pas à Piccolo. Hop là. Retourne par terre, d'ailleurs, tu sais quoi? Non, il m'a touché. Je suis vexé. Oh bah non. Oh bah non! Ah non, j'ai pas pris autant de dégâts que ça! Désolé! Ah! Ça, c'est plus ou moins comme ça s'est passé dans l'histoire. Ça ne l'est plus. Tant pis. Oh là là! Ah, C18 est avec nous, allez comprendre. Ah, mais merde! Viens là, espèce de gros homme vert. Merde, c'était un coup de plus. Ah bah. Piccolo-san! Aïe. Non, t'es sérieux là? Eh merde! Eh merde! Allez! Mais non, mon ultime! Ah, mais non! C'est chiant! Quoi? Et ça m'a pompé mon ulti en plus! Quelle horreur! Mais merde! Mais hé, mon big. Hein? Ah oui, c'est vrai, il prend deux! Tiens, bouffe ça au corps à corps, ça va faire du bien. Ah bah. Bonjour! Nom 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 nom. Insertion pénienne. Il y en a qui le font, hein. Ça doit pas être top. Rang Z, parce que voilà, je suis trop bon. Tiens, j'ai gagné 5 points d'attribut, c'était pas 4 ou 3? C'était pas 4 avant. Il m'en restait un alors? C'est quoi ce bordel? Voilà, problème résolu!
Et il dit pas, je suis impressionné. Qu'est-ce qui se passe encore? あの、結局セルは17号と18号を吸収して完全体になってしまったようだぞ。それより、とはと未来がまだ姿を見せていないのが気になるわ。これで無事解決したとは思えないし。je comprends pas pourquoi il s'inquiète le vieux. Je vais pas avoir les yeux en face des trous, c'est pas possible. Oh, mais il me ça sert à rien qu'on te laisse quoi que ce soit, Trunks. Il m'envoie au lit. Il m'envoie dans ma chambre. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah. Et c'est... Non, je veux pas te pas... Il y a une quête bleue. Je préfère encore faire la quête bleue que lui parler pour l'instant. Non, j'ai cru voir un truc. Non, Pourquoi je vais faire des quêtes avec Trunks? Bon, c'est pas grave. On va oublier Trunks l'espace d'un instant. De toute façon, ce sera sans doute pas lui qui me donnera ma quête. Et puis... Hop. Piccolo! Cesse de picoler! Regardez-moi ses fesses! Regardez-moi ses fesses! Oh oui, ses fesses! Alors, ça serait bien Freezer qui nous donne une quête, compte tenu de l'emplacement. Apparemment, non, en fait. Daddy! Bonjour, tu es... Bref. Alors c'est toi qu'ils ont... Ah, c'est à toi qu'ils ont confié la mission critique. Mes amis m'ont tout dit sur toi et je suis policier du temps moi aussi. Et de tous mes amis, je suis définitivement le plus fort. Tu ne t'en souviens sans doute pas, mais... nous étions camarades de classe. Surtout nous étions rivaux. Bah oui, j'oublie tous mes rivaux, moi. Voyons maintenant qui est le meilleur d'entre nous deux. Si on n'a pas de réaction, commençons le combat. Bah écoute, je vais te poutrer. Ah bah merde, même réaction. Ah, hop, t'apprendras. Ah, oh, je l'ai pas vu venir. Oh, bien joué. Ah, je peux vraiment pas le rattraper. Hein. C'est pas grave. Eh, bouffe ça! Ah, mais non! Oh, joli guac. Ah, mais ça fait deux fois. Et tu veux bien te retourner dans le bon sens? Boum! Là, tu te le bouffes. Voilà. Ah ok, pourquoi pas. Oh, tu me saoules à faire ça. Ça fait plusieurs fois que tu le fais, ça m'énerve. Boum. Celui-là, tu te le bouffes. Désolé. Allez, viens maintenant. Attends, moi. Hop, tu peux repartir. Oh, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais on va dire que ça c'était cool. Et qu'est-ce que j'ai gagné? De l'XP? D'accord. Ça me dérange pas du tout. Deux niveaux en plus, c'est... C'est comme ça. Et à part ça... Ha! Impressionnant! Ta valeur en tant qu'adversaire est évidente, je vais continuer à m'entraîner puis quand le bon jour viendra, je t'affronterai à nouveau par derrière avec un couteau. La victoire sera mienne la prochaine fois, j'espère bien que tu vas continuer à t'entraîner pour que ce soit intéressant.
Ah bah merci pour la Dragon Ball. Alors, attribut. Fais-moi taper encore plus fort, jeu. J'ai besoin d'aller taper des gens. Ok. Bon, l'autre trou du cul, j'imagine qu'il veut toujours pas me donner de... C'est cool de pouvoir voler aussi haut. C'est vraiment cool. Comme ça, il y a 30 ans de descente. Penses-tu qu'on pourrait utiliser la gravité? Mais non, ce serait dommage. Hop. Vegeta, as-tu quelque chose à me donner? Entraîne-moi. Voilà, il a toujours pas de... d'entraînement à me donner. Ah le bâtard! Tu peux passer un examen, donc on va faire l'examen qu'on avait laissé de côté. Et on va bien voir si on arrive à le passer ou pas, tout simplement, on verra bien. Au pire des cas, ça nous fera un petit peu d'XP, mais je pense qu'on a... on a peut-être pas suffisamment de PV et j'ai pas mis d'objet de soin en raccourci. J'aime pas utiliser des objets de soin. Pas mon truc. En tout cas, niveau dégâts, ça va être un peu mieux. Boum! Bien joué. Bien joué. Hop, je vais le louper. Non, c'est bon, il passe. Ok. Ah! Hop, t'es baisé. Tu t'es fait eu, tant pis pour toi. Ah! C'est bon. Bonjour. C'est 18. Petit a... Je suis là, c'est 18. Tu peux... Voilà. Ah, elle est chiante à faire ça, elle. Dommage. Joli. Bon, ça passe pas. Ah, elle est longue à passer, cette attaque puissante. Je le saurai les prochaines fois, c'est cool. Ah, quoi, Kenzan? Non! Hop! Elle me sort un Kenzan comme ça de nulle part. Quel dommage. Tu peux la viser, s'il te plaît, Marcus? Oh! Et tu veux venir te battre ou tu veux regarder comment on fait pour se battre? Est-ce que tu veux jouer au tutoriel? Boum! Vas-y. On va jouer au sol, j'aime bien jouer au sol. Ah. Ah, quel dommage. Ah! Forcément. Ah, blah. Eh bien, viens, viens me voir. Mais merde, mais merde, elle me saoule. Mais non. Elle rebondit sur moi. Raté. Raté. Voilà, ça t'apprendra. Tu m'énerves, c'est 18. Allez, viens me voir. Boum, ça t'apprendra. Voilà. C'est 18, c'est 18. Alors, c'est le parfait. Je t'ai eu. Oh, quel dommage. Hop, et dégage.
Nous, on va se poser. Eh ben non! Vas-y, retente-moi ton petit caméra. Mais merde, il pourrait pas, tu pourrais pas le balancer plus vite ton caméra? Dégage. Allez, balance-le plus vite ton caméra. La vache! Ok. T'es sérieux? Ok. Boum. Hop, et c'est fini pour le sel. Bon, on a réussi à passer le truc sans trop de difficultés. Je suis juste un peu déçu du Kamehameha. Est-ce qu'il y a des combats de rayons? Je ne sais pas. J'en ai pas la moindre idée. Super son avant. Ouais, trop cool. Mais je sais pas s'il y a des combats de rayons dans celui-là, du coup. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète un peu. La maison du doyen est attaquée. Ah. Ah. D'accord, on va aller voir Vegeta alors. Toujours pas de nouveau trait, donc bon bah écoutez, on va aller voir la maison du doyen. Elle est au nord. Elle est là-bas. Apparemment elle est attaquée, on va aller voir. Ça me permet de voir exactement ce que c'est que ces events. La forêt de bambou. Ok. Allons-y. Allons-y. Voilà, hop, on va voir. Qu'est-ce qui se passe, mon petit Nail? Hop. Les subordonnés de Freezer. Les subordonnés de Freezer cherchent les Dragon Ball dans les environs. Leur violence est sans limite. Ils attaquent tout le monde. On ne peut pas les laisser se déchaîner ainsi. Veux-tu m'aider? Oui, bon, bref, voilà. Trouve les Dragon Ball avant de jouer. Donc, en fait, c'est exactement la même mission. Je veux dire, c'est quoi la différence, quoi? Bon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste couvrir sur les Dragon Ball, on verra bien. Les Dragon Ball sont à moi, hein. Ce sont mes Dragon Ball. Oh, merci de m'envoyer dans la bonne direction. Hop. Hop. Oui, oui. Ah, Dende. Ah, je l'ai loupé. Hop, voilà. Tellement de difficultés dans cette mission. Où est la dernière? Je me le demande bien. Ah, je pensais qu'elle serait dans la maison. Je suis vexé. Ah. Là. Allez, je rentre en courant. Tu ne m'auras jamais. Bon. C'est une question de temps en fait, du coup. Et Nel qui est en train d'en prendre plein la gueule aussi, c'est pas bon signe. Hop, voilà, j'ai fini. Ok. Ouais, je suis le meilleur, vous avez le droit de le dire. C'est d'une tristesse, cette émission. On me dirait, c'est pas pire que le transport du lait, hein. Nous avons réussi à mettre fin à leurs méfaits, et c'est grâce à toi. Continue tout ce bon travail. Merci, je suppose. Oh, une mission! Une mission secondaire! Je sais, on était censé faire de la mission principale, mais j'exècre tellement ce Trunks que je sais plus si j'ai envie de continuer la mission. Si, je vais la continuer, j'ai envie, bien sûr que si, mais... Enfin bon, voilà, quoi. Vous avez bien vu le...
le boulet qu'on se tape derrière, quoi. Oh là là. Quand ils sont comme ça, groupés, ça sent pas bon. Qu'est-ce qu'il y a? Ouah! Tu as un sacré niveau de puissance, tu pourrais bien avoir ta chance, tu sais. Excuse-moi, je m'appelle Mongeloya. Je suis le capitaine de la Seed Unit qui est chargé de protéger ce secteur. C'est un peu soudain, mais voudrais-tu nous affronter au cours d'un combat? Merci, ta gentillesse est appréciable. Est-ce qu'on commence maintenant? Je sais pas trop quoi ce qu'il a dit la suite. C'est du 1 contre 3, ça va être rigolo. Je vais tous me les faire. J'annonce! Ah non, ça va être un gangrape. Je sens que je vais pas rigoler des mains. Mais. Mais merde! Eh hey, oh! Vous me saoulez un. Mais merde! Mais merde! Mais. Mais allez tous vous faire foutre! Ah! Mais merde, je suis dans une animation. Oh putain, c'est chaud. Mais merde. Mais c'est que vous me faites chier. J'en ai touché quelques-uns. Mais merde, vous m'emmerdez, vous m'emmerdez. Ah. T'apprendras. Je me fais rape. Mais merde, mais t'es là pour te battre ou pour fuir, espèce de chef de merde? Mais putain, mais il fait que ça. Ok. Voilà, il fait que ça, me tourner autour. C'est même pas drôle parce que c'est mal fichu en fait. Ça y est, j'ai réussi à faire quelque chose. Eh merde. Voilà. Voilà comment je dois faire mes combos. Et merde. Vous me faites chier. Et de 1. Au suivant. Non. Merde. Vous m'emmerdez. Merde. Je te déteste. Je te déteste. Je te déteste. Je te déteste. What? Voilà. À ton tour maintenant. T'as pas eu ta petite correction. Ça tombe bien. Il y a eu un gros bug. On voit sa culotte. Elle était noire. Avec des pépites de chocolat dedans. C'est bête, hein. Ah, je croyais que la mienne allait toucher. Oh non! Alors ça, je suis pas d'accord. Ça, je suis absolument pas d'accord. Mais non, mais... C'est dégueulasse! Voilà, dégage, meurs. Espèce de chewing-gum. J'ai pris cher, je reconnais. Rien à foutre, je les ai battus. C'est tout. Voilà, victoire. C'est tout, victoire. Y'a rien à dire. Je les érecte, ils étaient 3 contre 1, je les érecte. Point barre, c'est tout.
Un événement chez Capsule Corp. Très impressionnant, nous t'en devons une. J'ai l'impression que tu peux répondre à notre besoin. Il y a une bande de voyous dans ce secteur, chez le Nuts Gang. Ils nous causent des soucis. Nous avons essayé de résister du mieux possible, mais ils étaient simplement trop forts pour nous. Merci de nous aider à rétablir notre réputation. Tu dois vaincre ce gang pour nous. Ah bon? Avec ta force, tu devrais l'emporter sans problème. Nous avons confiance en toi. Moi, je trouve que j'ai pas tapé assez fort. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que j'ai pas tapé assez fort. On va aller voir Vegeta. Apparemment, il y a quelque chose à nous dire à la Capsule Corp. Hop. Hop, allons-y. Crac. Bon, Vegeta, si t'arrives. On dirait que tu as gagné en force, heureusement, sinon j'aurais peur de m'ennuyer. Tes progrès sont stupéfiants. Mais c'est bien normal quand on fait partie des Saiyans. Montre-moi ta nouvelle puissance. J'ai perdu sa voix, en fait, j'étais en train de réfléchir, mais... Je veux voir si tu peux tenir tête à un prince Saiyan. Alors, tu es d'attaque? Je l'ai perdu. Tu t'approcheras jamais de mon niveau de puissance, peu importe l'entraînement que tu suis. Mais alors ça, c'est ce que tu crois. Mais je vais tellement te recte, Vegeta, que... En plus, la dernière fois, on a gagné une tenue d'entraînement, je crois, de mémoire. Peut-être gagner une tenue, là, ou une technique. Coucou, Vegeta. Oh putain, le sac. Il s'est mis en Super Saiyan 1, je crois. Bien joué. Ah bah, je voulais juste utiliser le... En fait, depuis tout à l'heure, je veux utiliser le... Vache. Il est colère. Hein. Boum! Allez, viens! Viens, je t'attends, Vegeta, moi! Je t'attends! Ah bah, te voilà! Et boum! Hop! Et retourne par terre! Hop, la chope et passe! Ben alors! Oh, 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 le Big Bang qui passe. Oh, le pauvre. Il a été choqué de voir le Big Bang arriver dans sa face, quoi. Le G Capsule Corp. Oh. Oh, Capsule Corp. Ça me dit rien, c'est bizarre. La tenue d'entraînement de Sangoku en version Capsule Corp, ou c'est celui-ci? Apparemment, ton talent égale le mien. Je déteste l'admettre, mais tu as encore plus de puissance que Carotte. Vraiment, c'est Carotte. Carotte. Bref. Fort bien, je vais te promouvoir. De partenaire d'entraînement, tu passes au rang de véritable adversaire. La prochaine fois, ce sera plus un entraînement. Ce ne sera plus un entraînement. Prépare-toi à te battre pour tuer. Compris? J'arrive pas du tout à le passer. J'ai perdu la voix. Je pense. Non, c'était l'équipement que je voulais voir, moi, Simone. Ah oui, d'accord, c'est simplement celui avec le cri... Oui. Sauf si ça rapporte de la puissance de combat en attaque de base. Est-ce que j'ai quelque chose qui augmente l'attaque de base ici? Mais non, rien. La tenue de Thalès augmente vachement bien le combat au corps à corps. Là j'en ai pas. Ah, j'ai le G abîmé de Sangoku. Ça fait très très moche, mais ça augmente encore mes dégâts au corps à corps, hein. Donc je prends. Histoire de taper vraiment fort, hein. Je veux vraiment taper fort, chers amis, c'est tout. Hein. Je veux que quand je colle une baffe à quelqu'un, il s'en souvienne. Tout simplement. Bon, et maintenant? Y'a rien d'autre?
Si on se relance dans une quête principale... j'ai pas envie de jouer avec Trunks. J'ai pas envie d'avoir Trunks sous le nez. Qu'est-ce qu'on a en quête secondaire? Tiens, bonjour. Je suis le gardien de cette zone. Une grande distorsion vient d'apparaître à l'intérieur de Canton City. Nous avons besoin d'un puissant guerrier pour la corriger. Nous avons besoin d'un guerrier qui aurait accompli un bon nombre de missions experts. Combien? Voyons, je dirais au moins 5 missions. J'en ai pas encore fait 5, hein. Je suis pas encore dans le rang expert, je crois. On va bien voir, hein, mais... Oui, voilà. En plus, voilà, va savoir c'est lesquels, le rang expert, quoi. On va commencer par celle-là. Ok. Ah non. Non, non, ça me... Ah, non, ça m'intéresse. Ouh, là, ça m'intéresse. Mais normalement, t'as plus de bras. Pourquoi t'as ton bras? Je croyais qu'il avait... Non, normalement, il est... Non, normalement, il a plus de bras. Il a un bras coupé. Je suis désolé. Hop. Suikikaida. Bref. Bah, 20 sous-fifres de friseur. Ah bah, ça devrait le faire assez rapidement. Si j'arrive à les toucher. Hop. Content d'avoir enfin attiré ton attention. Ah, je déteste quand il me fuit, mais alors, à un point. Boum! Droit sur la nuque. Toi aussi. Hop! Hop! Par contre, oui, je regarde parce que j'ai un timer moi aussi. 6 minutes! What? Voilà, merci de m'avoir d'avoir osé me regarder seulement à la fin. C'est rigolo. Mais tu peux éviter de me piquer mes mecs, s'il te plaît? Hop. Oh mais merde. Hop, ça s'est fait aussi. Ah. Mais merde. Je peux pas. Vous pouvez pas en sortir 3 et que je puisse en avoir un sur moi et... Ah, attendez. C'est pas un instant, il y en a un qui m'a regardé. Lui, Raspberry, peux-tu venir? Merde. Raspberry. Hop, retourne par terre. Hop, ça c'est fait. Encore une fois, je trouve pas qu'on tape assez fort au corps à corps. C'est rigolo, mais... Oh, ça aurait été tellement beau. Boum. Voilà, retourne par terre. On est donc à 7. Peut-être à 8. Ok. Et il n'y en a plus assez. Et merde. Hop. Hop. Ah mais il me saoule, je peux pas finir mes combos. Ah là, là il est mort. Merci. Boum, dans le caillou. Ah si, tiens, je sais ce que je vais faire.
Ah non, je crois que je l'avais eu. Oh. Merde, c'est pas ça que je fais. Bon, c'est pas grave. Oh. Mais non, mais... Tu peux le viser, s'il te plaît, merci. Et il veut pas, hein. Hop, les. Allez, on y retourne. Tu peux le viser. Pff. Je me pose des questions. Hop les... Ça fait mal. Hop et ça devrait être bon. Crac. Je crois que je me suis fait cogner par un truc. Aïe. Ça devait être ça. What? Hop. La Sangwan qui veut mon méchant. Hop. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Mais non, mais elle était tellement bien. Il était tellement bien ce combo. Aïe. Voilà, moi aussi je sais le faire. Hop, et retourne par terre. Là, je sais bien que je suis presque. Big Bang Kamehameha. J'ai touché personne. Pourquoi tout le monde il a une plus grande portée que moi? Non, le touchez pas! Le touchez pas, il est à moi celui-là! Mais merde! Mais pourquoi quand j'en ai enfin un, tout le monde s'attaque à moi? Ça va, tranquille? Boum! Ça fait mal? J'espère bien, ça fait exprès. Aïe! Qu'est-ce que je te dis? Je suis pas en avance. Mais merde. Bon. Sachant que t'es le dernier, j'ai décidé que tu vas mourir bêtement. Voilà. Oh, vas-y Gohan, finis-le. Et merde. Hop, voilà. Bon bah il est mort, c'est ce qui compte. Et je vais avoir la suite. Ouais, parce que je suis pressé par le temps. Voilà. Je connais à peu près comment ça marche. Oh mais je t'en prie, hein, ils avaient besoin d'un petit... J'ai eu peur qu'il se retourne l'espace d'un instant. Je l'avoue. J'ai pas compris. Ah.
Boum. Voilà, là ça passe. Hop les. Putain, il est solide le bonhomme. On doutait un petit peu que ça ne passerait pas. Mais merde! Le mec fait des techniques qui font des dégâts de zone ou quoi? Regarde-moi, ça sera plus intéressant. Tiens, retourne par terre. Tu sais quoi? J'aime bien me battre par terre. Tu l'as proposé à Sangoku, tu me l'as pas proposé à moi. Ah bah, ah bah. Écoute, je suis le premier surpris, hein. Mais... Voilà. Je vais goûter à 10 fois cette douleur. Mais ça dépend, c'est une douleur qui a bon goût ou pas? Bon, on va essayer ça, on va voir si ça passe. Et clairement... C'est passé uniquement parce qu'il a voulu que ça passe. Voilà, fin ultime. Bon. Il est un coquard ou quoi en plus? Non, j'ai cru. Ok, et ben on a le rond Z en plus, si c'est pas la fête du slip. Et on a un niveau supérieur, bah c'est cool. C'est cool, que demander de plus? Alors, niveau supérieur, on va mettre les points d'attribution. Oh mais non, pas encore. Mais elle se fait attaquer tout le temps, mais tant pis pour elle. Voilà, je tape toujours pas assez fort. Je devrais pouvoir les taper violemment et je les tape pas si violemment que ça finalement. Alors juste pour voir, c'est vraiment par pur questionnement. Voilà, 21. Frappe de l'envol maléfique, même sans c'est sans égal. D'accord, tenue de combat krill. D'accord. Ok, donc c'est la noire en fait. C'est la noire à épaulette. Ok. Il faudra plutôt que je fasse celle-ci après. Et celle-ci. Ok. Eh bien écoutez chers amis, du coup merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce-vériser, à la commenter, à la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Sim Joueur de la Playroom, de vous prêter les liens dans la mer de la chaîne. Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour vos aventures, salut les gens et yop. Et n'hésitez pas à cliquer dans l'écriture de l'épisode aussi vers, donc dans la bannière de la chaîne, vers mon partenaire Gamesplay.com qui m'a grâce sur le jeu et je les en remercie tout comme je vous remercie à chaque épisode, salut les gens et yop. Je leur fais une deuxième fois, une troisième yop.